Salut tout le monde, c'est Seigneur la Mort. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu Roblox, et plus précisément, eh bien, sur le jeu Naruto Tower Defense. Donc, je vais voir si... Est-ce que j'ai de l'argent ou pas dans ce jeu? Là, si je fais ça, non, je n'ai pas assez d'argent. Là, il y a Obito. Okay. Oh, il y a Hachibi. Bon, donc, on se retrouve une nouvelle fois sur ce jeu. Ok, il y a des trucs de Noël, même si Noël s'est passé depuis un certain temps. Ça, c'est quoi? Ok. Alors, je vais essayer de rechercher si... Enfin, j'essaie de rechercher les codes du jeu. Donc, Naruto Tower Defense Code. Paf, c'est bon. Et donc, c'est parti. Là, il y a des codes. Donc, de ce que j'ai trouvé, il y a Halloween. Je vois pas pourquoi ça serait encore valable, mais on sait jamais. Ouah, je gagne 3000 de cash. Ah ouais, c'est énorme. Ensuite, saison 2. Je pense que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas touché à leur jeu, ou alors je sais pas trop. Escorte. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Naruto Nice. Paf, c'est bon. Naruto World ensuite. Ok. Ensuite, on a Fix Summoning. Paf. Alors, j'ai du mal à écrire. Ah non, c'est Fix Summon Bug. Ok. Fix Summon Bug. Paf. Ensuite, on a Naruto. Après, on a Naruto Hero. Et pour finir, on a Naruto mort. Paf. Ok, c'est parti maintenant, on va pouvoir invoquer. On va faire x10. Ok. Ok, alors j'espère que ça va aller vite. Ok, Kurenai. Kurenai qui, on rappelle, hein, a fait une apparition, c'était face à Itachi, elle s'est faite défoncer. Bon, là c'est à 30%, donc c'est un peu normal que on se fasse douiller. Il y a de la pitié pour les pets, enfin pour les pets, pour les trucs nuls. Ah non, c'est peut-être pour rare. Ok. Espérons qu'on arrive à avoir Obito, ça serait pas mal. Pas pour le moment en tout cas. On a beaucoup de crapauds. Sinon, déjà rien que Hachibi, ça serait stylé. Ok. C'est dommage parce que ça passe beaucoup sur les trucs rares, mais ça s'arrête jamais dessus. Ok, c'est bon, on refait un x10. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas en dépenser autant. Là, on a un abonné, donc c'est Alex. Paf. On va lui faire un petit coucou dans le chat. Ok, là, ça va ressembler à 100 spins pour avoir un super super rare, on dirait. Parce que là, j'ai de quoi faire sans spin. Et au final, l'objectif, ça va être d'avoir un super, super rare. Bon, on va du coup dire un légendaire. Hein. Techniquement, c'est à peu près ça. Bon, je sais pas pourquoi Alex veut que je sois en live. Normalement, il devrait être au courant que je ne suis pas en live.
Donc, si on arrive à avoir Obito ou Naruto, je serais content. Déjà, Hachibi, faudrait qu'on arrive à l'avoir parce que là, 7,5%, normalement, on devrait bientôt l'avoir. Naruto, il est à 2%, donc ça va. Compte à rebours. Ah ouais, c'est dans 14 minutes que ça se rafraîchit. Ok, paf. Bah, coup dur pour Alex qui vient de se faire douiller. Il me demande si je suis en live, je réponds non, puisque je ne suis pas en live. Par contre, je suis bien en vidéo, donc là, Alex, tu vas pouvoir te voir dans une vidéo. Ah, on a enfin réussi à avoir Hachibi. Bah non, il est fou, lui. Allez, paf. Les amis, franchement, là, on voit juste dans le chat, personne ne sait qui c'est. Donc, aucune raison de supprimer. En tout cas, on va continuer à essayer d'avoir de la chance sur le jeu. Ok. Ok, est-ce qu'on va réussir? Là, c'est... Oh non! C'était beaucoup dans les unités rares. Mais au final, bah, je me suis fait feinter. Passer automatique. Ah, on peut l'activer. Ah, bah voilà. Ça va être mieux. Ok. Pour moi, toujours pas de légendaire. Ou des super rares. Alors, quitter. Inventaire. Est-ce qu'on peut faire évoluer? Ah bah, on va nourrir, fournir, paf. On va juste rapidement garder. Ah, mais en plus, on en a qui ont différentes étoiles. Ok, je savais pas. Ok. Kurenai. Ah, on en a un qui a 5 étoiles. Je pensais pas. Et puis, on va supprimer juste les une étoile. Bon, ceux que j'ai déjà supprimés. Tant pis pour eux. Ok. Allez, paf, on va fournir. Allez, niveau 46, si je me souviens bien. Ok, toujours pas de chance. Et là. Oh! On a réussi à avoir Obito. Oh, allez, let's go, les gars, trop stylé. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, on va faire quitter. Inventaire. Déjà, on va déséquiper elle, la Hanzo, je sais plus comment elle s'appelle. Déséquiper, on va équiper Obito. Paf. Ensuite, on va déséquiper un Deidara et on va équiper. Alors. Niveau 46, voilà. C'est parti pour l'équiper. Ensuite, on va nourrir Obito. Fournir. Paf, c'est bon, on va même pouvoir manger un Deidara. Ok, c'est bon. Passe niveau 30. Ensuite là, est-ce que je peux faire améliorer? Annuler. Améliorer.
Et ensuite, là, on fait améliorer. Donc, là, 200 et quelques. Là, 800. Ah ouais, Kurenai, niveau 3, est plutôt balèze. Ok, là, déséquipé. Équipé. Paf, c'est parti. Donc, maintenant, on va se téléporter. Je me suis téléporté dans le mauvais jeu. Non, mais les amis, j'abuse. Donc, paf, c'est parti. On va retourner. On va retourner sur Naruto Défense Simulator. Paf, c'est bon. Il y a déjà niveau 66. Non, niveau 5, ok. Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le jeu il y a longtemps. Okay, paf. Allez, difficile. On va sélectionner. Début du jeu. Voilà. Et c'est parti, comme ça on pourra tester à peu près notre Obito et d'autres persos. Chargement. Obito il coûte 500. Là j'ai combien d'argent pour le début? Donc là il fait 2000 de dégâts. Ce qui est bien c'est que comme il est balèze, bah, il coûte pas super cher. Oh style l'animation. Ok. J'aime bien pour le moment l'animation qu'il a. On gagne pas d'argent par contre, je comprends pas. On est toujours à 740. Ah mais par contre je peux quand même améliorer. Peut-être qu'il y a un bug d'affichage. Ah non, c'est en bas, d'accord. Ça c'est notre argent, je pense, dans. Enfin. Pour Summon. Ok. Paf. Donc là, on est à 3000 de dégâts normalement. Le cooldown est de 2.2. Et bientôt, on va aussi améliorer. Enfin, pour améliorer notre range. Alors, dans les paramètres, je pense que. Voilà, passer automatique, on peut activer. Ok, c'est bon. Je sais pas combien d'Obito on peut équiper. Mais on va passer ensuite à Hachibi pour voir ses stats et aussi l'animation. Donc il y a 15 vagues, comme sur All-Star. Ok, l'animation est un peu bizarre, mais elle est stylée. Ok, à la fin, il fera du 3000 et quelques de dégâts pendant que Obito, lui. Okay. Alors, Obito, lui, fait 3700. Ok, ils ont pas beaucoup de dégâts de différence, mais je pense que c'est au niveau du prix que ça change parce que Obito, vraiment. Bah, Snowbreak le plus cher coûtait déjà moins cher que celui à 1800 que je m'apprête à payer pour Hachibi. Donc, Obito, il est rentable parce qu'il n'est pas très cher et qu'il est bah, fort. Et aussi, je crois qu'il attaque plus rapidement, il me semble, Obito. 1,8. Ah non, il attaquera plus lentement, mais il a 60 de range. Hachibi, il aura combien? Oula, c'est un peu une galère pour sélectionner les persos. Ok. 51. Okay. Donc HV, ça sera plus petit. En plus, il coûte vraiment super cher. Donc, c'est quoi? On va voir vite fait pour Kurenai. Ah ouais, elle a un tout petit range. Elle montre à peine à 1500.
Ok, Coronaï, elle, ses stats n'augmentent pas beaucoup en fait au fur et à mesure. Paf, donc là mon bio il est presque déjà upgrade max. Pour vous dire à quel point son prix est vraiment avantageux. Donc là on est vague 8 sur 15. Bah oui, là il est déjà max en fait, j'avais oublié. Là le crapaud il coûte super cher. Surtout qu'il me semble qu'il est encore moins fort que Kurenai, mais. J'aimerais bien voir à peu près ce qu'il peut faire. Et on a un double saut. C'est pas mal, même si ça sert pas à grand chose. Ok, c'est vraiment Naruto au tout tout début. Vu que là on voit les têtes des Hokage, il y en a 4. Par contre, pour Hiruzen. Ok. Je peux pas bouger la souris, je savais pas. Ah mais non, normalement je suis censé pouvoir la bouger. Ok, c'est bon. C'était juste un petit bug. Mais maintenant c'est réglé. Je sais pas à quoi ça sert les clochettes, j'en ai 34. Peut-être que je verrai après. Tout cas là pour le moment je sais pas trop à quoi ça sert. Donc vague 10, on va attendre que ça se termine. Je me demande combien de vie aura le boss. Ok, le crapaud. Est-ce que lui, ce serait pas un summoner ou un truc comme ça? Ah non, en plus il a un tout petit range. Oula, ça sent un peu l'arnaque. Allez, on va le vendre et on va mettre un autre Obito. Ah bah il est déjà max. Ok, je peux encore placer un autre Obito. Je sais pas quel est le nombre max pour... Enfin, d'unités qu'on peut placer. Mais pour moi, on peut déjà en mettre 4. Donc, est-ce qu'on peut en mettre 8 comme sur All Star? Ou alors c'est 10? Ou peut-être moins, c'est seulement 5. Enfin, c'est à voir. Ok, c'est bon. J'ai un Obito qui est max. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire vous qui est votre perso préféré dans Naruto. Moi, en vrai, je pense que ça va être Madara. Madara, si on enlève sa mort éclatée. Je pense que ça va être Madara. Après, Obito, je l'aime bien aussi, mais. Mais comme après il est devenu gentil, bon Madara je crois qu'il est aussi devenu gentil à peu près, mais bon comme il est mort je sans qu'il puisse rien faire de gentil on va dire que. Bon de toute façon j'ai dit Madara sans sa mort donc on enlève la mort de Madara, ça va. Et le perso que je déteste le plus, moi je pense que ça va être Danzo ou Kabuto. Voire peut-être Zetsu vu comment il a fait mourir Madara. Et en plus, le gars, il servait à rien, c'était juste un commentateur sportif, et à la fin, il s'est senti pousser des ailes, il a commencé à dire, ouais, je manipulais tout le monde, on sait pas pourquoi. Mais le perso, je l'aime pas. Donc, je suis vraiment triste qu'il ait foutu une mort aussi nulle à Madara. Ah, d'ailleurs, je passais niveau 7 pendant la partie. J'avais même pas remarqué. Ok, j'ai passé les 50 clochettes. Ah, je peux plus mettre d'Obito. Ok. Bon, on va essayer d'améliorer Hachibi, hein. Oula. J'arrive à cliquer sur lui. Je pense que je vais enlever les effets. Voilà. Bon, ça. C'est un peu moins stylé, les scènes de combat, mais au moins. On voit quelque chose parce que là on pouvait plus rien sélectionner. Ok, je me demande combien de vie aura le boss. De toute façon, j'avais même pas le temps de voir. Puis, à mon avis, j'ai des unités un peu trop balèzes pour la zone sur laquelle je suis.
Ok, paf, on récupère ça. Donc là, j'ai réussi à mettre Hachibi au max. Alors, on va juste placer Kuranai par politesse. Ah, c'est Sasuke le boss. Bon, bah voilà, j'ai gagné à peine 140, ok. Même pas de quoi faire un summon. J'ai fait 1 million de dégâts, ça, je pense que c'est pas mal. Ok, donc là, on voit, je suis passé niveau 7. Il y a une personne niveau 113 sur le jeu. Ah, ça a changé. C'est qui lui? Je connais pas du tout. C'est peut-être un perso de Boruto. Oh là, il y a un autre démon à queue. C'est celui de Fou, je crois. Mais lui, qui est-ce quoi? Bon, on va. Oh, j'ai réussi à avoir le démon de Fou. Ok. Ok. J'ai eu 3 Naruto. Là, j'ai que eu des Jinchuriki ou des démons. Là, dans les trades, est-ce que par exemple je peux tenter. Alors, le gars, il est en K. Ah non, maintenant c'est un... Ah un Y. Je sais pas pourquoi j'ai dit K. Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Non. Ah bah, il est fatigué, je crois. Bon, en tout cas, les amis. Oh. On va quand même. Naruto Rinnegan, ça n'a aucun sens. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc sur ce, je vous dis ciao.